کنفرانس سازمان‌های غیر دولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، دفاع از حقوق مجاهدان اشرف و لیبرتی. برگزار کنندگان کنفرانس: فرانس لیبرته، بنیاد دانیل میتران، جنبش ضد نژاد پرستی و دوستی خلقها، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان. فراخوان به ملل متحد و دولت آمریکا برای تضمین حفاظت‌های انسان دوستانه در لیبرتی و ممانعت از نقض تعهدات و کنوانسیون‌ها از سوی دولت عراق. Monsieur le Président, mes chers amis qui sont ici sur la table et dans la salle, effectivement, cela fait maintenant plus de 4 ans, avec l'aide de Jean-Charles Riel, qui était conseiller national à l'époque, avec l'aide de notre ami M. Falquet, qui est député du canton de Genève, pour justement aider les Ashrafiens justement à avoir une dignité dans le camp d'Ashraf, c'est Ashraf, et ça l'a fait très longtemps. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr que je dois condamner l'attitude scandaleuse de M. Kobler, représentant spécial de l'ONU. Nous sommes ici dans les bâtiments de l'ONU, Genève est le siège européen de l'ONU, c'est inadmissible que l'ONU croie ainsi à son représentant qui fait très mal son travail. Dans une entreprise normale, quand on fait un travail aussi mauvais, on licencie et on le remplace par quelqu'un d'autre. Ce que je dis aussi, c'est que je fais partie de la délégation suisse à l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe. Et nous avons déposé au Conseil de l'Europe une pression au Conseil de l'Europe et aussi au Comité des droits européens du Parlement. Nous demandons instamment aux États membres, aux États-Unis et aux Nations Unies de mettre en terme aux nouvelles arrivées des résidents à Camp Liberty tant que les conditions minimum ne sont pas réunies, notamment le branchement au réseau urbain, de distribution d'eau et d'électricité et le transfert d'au moins quelques voitures et l'infrastructure nécessaire pour accueillir les patients. Les Nations Unies et leurs représentants spéciaux doivent adopter une position ferme face aux violations des engagements pris par le gouvernement irakien. Et puis, voilà, donc, je suis allé avec les amis suisses à Paris dernièrement. J'étais impressionné de voir les quelques 100 000 personnes qui étaient, vous qui présidiez d'ailleurs, madame le sénateur, cette manifestation. Et puis, en rentrant en Suisse, la semaine qui a suivi, j'ai reçu une lettre, non pas du cas Ashrafien, non pas de l'Irak ou des États-Unis, du gouvernement suisse, mais une lettre de l'ambassade d'Iran en Suisse, qui dit simplement que c'était tout juste qu'un parlementaire suisse aille devant une telle manifestation, alors qu'il ne faut pas oublier que les Ashrafiens, enfin que les Moudjahidines, sont en train de tuer femmes et enfants. Voilà la lettre que j'ai reçue. Bien sûr que je n'ai pas répondu et j'ai transmis à certains de mes camarades pour qu'ils puissent en prendre compte, mais c'est inadmissible, alors que l'Iran lui-même est en train, dans ce pays même, en train d'assassiner des opposants en Iran même, et en train d'assassiner par les soldats de la révolution en Syrie même, est en train d'assassiner des Syriens. Mais toujours est-il que c'était une intimidation qui va pas plus m'intimider, puisque je suis persuadé que nous serons proches après la Syrie. Nous espérons que ce sera l'Iran qui sera en pleine révolution pour la démocratisation de ce pays. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai abandonné mon texte et puis dire ce que je ressens. Et nous allons continuer aussi bien au Parlement suisse qu'au niveau du Conseil d'Europe à agir en faveur du camp d'Ashraf. Voilà. Merci. La ville de Genève, depuis 6 ans, accueille les protestations et les appels à la justice des familles des résidents d'Ashraf.
C'est pourquoi nous sommes parfaitement au courant des problèmes qu'affrontent les habitants d'Ashraf et de Liberty et que nous sommes et resterons à leur côté dans le combat qu'ils mènent pour obtenir leurs droits élémentaires piétinés par le gouvernement irakien à l'instigation des mollahs de Téhéran. Le gouvernement irakien déclare avec indécence que les résidents d'Ashraf n'ont aucun statut légal. Falès Fayaz, le conseiller de sécurité nationale du Premier ministre Nouri Maliki, l'a répété au Parlement européen au cours d'une conférence à Bagdad le 31 juillet. Cela signifie qu'ils n'ont aucun droit. Nous devons nous élever contre ces déclarations. Les Ashrafiens ont besoin d'une protection concrète de leurs droits élémentaires et c'est au HCR, basé juste ici à côté, à Genève, qu'il revient d'assurer cette protection. Le gouvernement irakien, sous la base du plan et des instructions du régime du guide suprême, et malheureusement avec la coopération du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a fait de Liberty un bagne. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, avec ses prises de position partiales, cela a été répété, ces derniers mois et en particulier à la dernière réunion du Conseil de sécurité, a rendu le gouvernement irakien plus offensif. Il sera directement responsable désormais du moindre tort causé aux Ashrafiens et de leur sang versé. Le problème principal n'est pas la présence des moujahidines du peuple à Ashraf ou à Liberty ou encore leur transfert hors d'Irak. Le conflit porte sur l'existence d'un mouvement de résistance organisé que les mollahs au pouvoir considèrent comme la seule menace à leur survie et qu'ils cherchent vainement à anéantir ou à forcer sous la pression à capituler. Si le représentant spécial de l'ONU dit vrai que les normes humanitaires sont respectées à Liberty, pourquoi ne demande-t-il pas au gouvernement irakien d'ouvrir les portes de Liberty aux parlementaires, aux avocats et même aux officiers américains qui ont servi pendant des années en Irak ou à Ashraf? Nous sommes prêts à y aller pour nous rendre compte par nous-mêmes de la réalité sur le camp de Liberty. Au bout de 6 mois, des questions aussi simples que le raccordement de l'eau et de l'électricité, l'assainissement du camp, la construction de structures pour fournir de l'ombre dans une température de 50 degrés ou bien simplement asphalter quelques mètres carrés à Liberty n'ont pas été réglés. Et c'est le droit des Ashrafiens de ne pas partir à Liberty dans ces conditions. Les Ashrafiens ont fait preuve d'un maximum de flexibilité. Les habitants des camps ont réduit plusieurs fois leurs requêtes et pour le départ du 6e convoi, leurs demandes se limitent à 8 besoins humanitaires. Pour ces 8 points, ils ont aussi présenté une solution pratique et capable de recueillir l'accord de tous, car les résidents se proposent de les réaliser avec leurs propres moyens et à leurs propres faits dans un court délai. Mais le gouvernement irakien s'y oppose. Nous apportons notre soutien au plan réalisable en 8 points des Ashrafiens présenté le 26 juillet à l'ONU. Le 6e groupe de résidents se déplacera au camp Liberty uniquement quand les 8 points en relation avec les besoins humanitaires minimaux, seront remplis. Dans le cadre de la 4e convention de Genève, et je terminerai par cela, et l'accord qu'il a signé avec chacun des Ashrafiens, le gouvernement américain est entièrement responsable de leur protection. Si les États-Unis avaient été fidèles à leur engagement vis-à-vis des Ashrafiens, ils n'auraient pas permis les 2 massacres à Ashraf et ils n'auraient pas laissé le gouvernement irakien imposer librement ces restrictions inhumaines aux résidents. Je vous apporte tout le soutien naturellement de notre ville, de notre canton par rapport à ce qui se passe à Ashraf. J'ai eu l'occasion à une reprise, notamment lorsque je me suis déplacé sur la place des Nations et j'ai vu encore aujourd'hui, on est à 550 et quelques jours, si j'ai bien lu, par rapport à ce sitting et nous serons toujours aux côtés et des gens d'Ashraf et naturellement aussi de Madame Mariam Rajawi. Je vous remercie. Je vous remercie et j'aimerais remercier les organisateurs, les ONG organisatrices de cette conférence cet après-midi dont on voit l'importance qu'elle a. Et en fait, quand nous voyons les demandes des Ashrafiens et des réfugiés de Liberty, par rapport à ce qu'ils demandent, de nouveau très concret, nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé de questions tout à fait concrètes, nous voyons que cela pourrait être fait très rapidement et nous voyons aussi que la bataille est tout à fait politique, elle est féroce
et que tous les points possibles, les petits points de la vie quotidienne, sont des enjeux politiques contre lesquels qu'il faut absolument arracher et qui n'ont pas encore été arrachés aujourd'hui. Pourtant, il faut vraiment le reconnaître que depuis très longtemps maintenant et depuis les accords qu'il y a eu aussi à la fin de l'année 2011, les Ashrafiens ont toujours répondu positivement aux injonctions onusiennes. Ces injonctions, dont on sait bien qu'elles se font souvent sous l'influence de l'Irak, sachant que l'Irak est Maliki le Premier ministre et lui-même sous la coupe du régime des mollahs iraniens. Mais nous l'avons dit aussi, ce qui est plus grave encore, c'est la position du représentant de l'ONU aujourd'hui. Comment faire vraiment confiance et quelle crédibilité avoir dans l'ONU lorsque M. Kobler, lors du Conseil de sécurité du 19 juillet dernier, a changé radicalement de position et voilà qu'il a rendu hommage à la patience et à la flexibilité de Maliki. Mais de qui, de quoi se moque-t-on ? Que peut représenter alors M. Kobler aujourd'hui ? L'ONU qui doit prendre toutes les mesures pour que les habitants d'Ashraf soient en sécurité, en respectant à la fois leurs droits, ou bien est-ce qu'il faut prendre le parti de l'Irak, de l'Iran ou des États-Unis ? Je dois dire que M. Kobler a ouvert la porte à cette volonté meurtrière qui nous fait peur aujourd'hui, de voir la main armée irakienne qui intervienne, dont d'ailleurs le conseiller à la sécurité disait ces derniers jours, la date butoir de fermeture du camp d'Ashraf a expiré et à partir de maintenant, l'Irak a le droit de prendre toutes les décisions sur leur sort et prendra ses responsabilités légales et légitimes pour renforcer sa souveraineté. Et alors, le rôle des États-Unis, est-ce que finalement, aujourd'hui, ce ne serait pas les États-Unis qui font pression, justement, puisque eux se trouvent aussi devant une échéance, et cette échéance, c'est celle de donner la réponse au fait de supprimer ou non l'OMPI de la liste terroriste. On voit là qu'il y a un enchevêtrement de questions qui sont en train de se poser, effectivement très importantes, mais aussi très préoccupantes. C'est une forme de chantage. À n'importe quel prix, donc, les Ashrafiens qui sont à Ashraf encore aujourd'hui devraient rejoindre Liberty pour qu'on entre en matière sur le fait de supprimer l'OMPI de la liste terroriste. C'est un chantage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes ici, dans cette enceinte dédiée aux droits humains, et en fait, nous ne pouvons que réexiger que la communauté internationale prenne ses responsabilités en tant que telle. Je ne répéterai pas ce que beaucoup de personnes ont dit avant moi, mais ce que j'aimerais simplement, pour terminer, c'est reprendre deux ou trois points qui ont été donnés par les personnes qui sont intervenues avant moi, pour que nous les remettions en mémoire et que ça soit nos points également d'action pour l'immédiat. Et puis, pour reprendre les points de M. Ziegler, dénoncer la tromperie de Maliki, exiger sous surveillance internationale que le camp de détention Liberty devienne un vrai camp de réfugiés, assurer, selon le plan prévu et selon les accords prévus, le transfert des derniers résidents d'Ashraf, avoir comme la certitude de la sécurité pour les habitants d'Ashraf. Je me souviens alors avec beaucoup de force
d'engagement et d'émotion de ces 100 000 personnes ou plus qui étaient à Paris fin juin et qui exprimaient leur solidarité et leur engagement aux côtés des habitants d'Ashraf et des opposants au régime iranien que sont les Moudjahidines du peuple. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, dear friends, although the issue of Ashraf for us is about the very basic human rights of the residents, the irrational, cruel, and deceptive behavior of the Iraqi government towards the residents and the breach of all their rights by this government at the behest of the Iranian regime makes it totally indispensable to highlight the political motivations behind the sufferings of the camp residents. It is over 3.5 years that the residents of Camp Ashraf and then Liberty are being harassed and facing aggressions under the most inhuman siege. The main issue here is not the presence of members of the People's Mujahideen Organization of Iran in Ashraf or Liberty or their transfer to outside Iraq. The dispute is about the existence of an organized opposition which bothers the Iranian regime and therefore it wants to destroy it or pressure it to surrender. On July 19, Martin Kobler, Special Representative of the UN Secretary General for Iraq, in his report to the UN Security Council, praised Maliki's patience and flexibility and blamed the residents for making trouble. By these remarks, he gave a green light to the Iraqi government for the third massacre. Almost 10 days later, Maliki's national security advisor held a press conference in Baghdad to tell the media that this government has reached the point that involuntary relocation of Ashraf residents is inevitable. Reuters said, Iraq says we'll force out Iran dissidents group. Government of Iraq, according to plans and demands of the Iranian regime, and unfortunately with the backing of the UN SRSG, has turned Camp Liberty into a prison. Meanwhile, the United Nations and the United States claim that the conditions and living standards at Liberty are satisfactory, whereas, according to a recent opinion by the UN Working Group on Arbitrary Detention, situation in Camp Liberty is in contravention of Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Articles 9 and 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights. And as Mr. Ziegler pointed out, it is not us who are saying that this is the condition. It has been reported by a UN institution. And Mr. Kobler is expected to accept this and respect this. If he truly believes that the humanitarian standards are met at Camp Liberty, why does the Iraqi government refrain from opening the gates of Liberty to parliamentarians, lawyers, human rights advocates, and even American officers who served for many years in Iraq and Ashraf? Let me also remind that as members of the US Congress have stated repeatedly, according to the agreement signed individually with the residents, the U.S. government is completely responsible for their protection. If U.S. kept its promises, it would have neither allowed for two massacres to occur in Ashraf, nor would have it allowed the government of Iraq to press inhuman restrictions against the residents. So it can be seen that both the U.N. Secretary General and the U.S. Secretary of State have certain responsibility towards the safety and security of the residents in Camp Ashraf and Camp Liberty.
and we call on them both to push the government of Iraq to fulfill its legal commitments and abide by the agreements. I thank you all.